PSG, Warren Zaïre-Emery a obtenu son baccalauréat. Le jeune milieu de terrain de 18 ans avait reporté ses épreuves en septembre après avoir été retenu pour l'Euro. Il a appris, ce lundi 7 octobre, qu'il était reçu à son examen. Cette fois, c'est la bonne. Alors que l'optimisme régnait depuis plusieurs jours autour de l'obtention de son baccalauréat et qu'une annonce prématurée était même intervenue la semaine dernière, Warren Zaïre-Emery, 18 ans, vient en réalité d'obtenir ce lundi 7 octobre les résultats de son examen. Sans surprise, le jeune milieu de terrain du PSG et de l'équipe de France vient d'empocher son bac, sans mention. Il a appris la nouvelle chez lui avant de rallier le Centre National du Football de Clairefontaine où les Bleus sont arrivés dans l'après-midi pour préparer les matchs de Ligue des Nations contre Israël et la Belgique les 10 et 14 octobre. Appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2024 cet été, compétition durant laquelle il n'a pas joué une seule minute, Warren Zaïre-Emery avait obtenu le report de ses épreuves en septembre afin d'être plus tranquille, disait-il sur TF1 avant la compétition. « Je veux me concentrer sur le football dans les prochaines semaines. Après l'été, je vais pouvoir réviser mes cours et aller au bac. » 11 épreuves entre le 10 et le 24 septembre. Au total, ce sont 11 épreuves qu'il a eu à passer entre le 10 et le 24 septembre, profitant d'un planning adapté par le club pour se concentrer sur son travail scolaire sans être perturbé dans ses obligations liées à l'équipe première. Ainsi, il a pu continuer à jouer et s'entraîner normalement depuis la reprise en ayant des cours à suivre le plus souvent l'après-midi. Cette annonce réjouissante vient lancer une séquence internationale qui doit lui permettre de retrouver des couleurs dans une période plus délicate en club. « C'est toutes ces années d'école qui sont finies », a-t-il réagi dans une vidéo postée par le PSG. « Maintenant, je vais pouvoir bien continuer le foot. Je vais continuer les langues quand même. » Avec ce résultat, enfin, la cité éducative du PSG présente un taux de réussite record à l'épreuve du baccalauréat puisque 95% de ses pensionnaires ont été reçus à l'examen cette année. Ce qui la classe au-dessus de la moyenne nationale, 91,4%.